Bonjour à toutes et à tous les amis, 25. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction à un ancien top que j'avais fait en 2016. Comme vous pouvez le voir, la date, il y a 8 ans, ça date du 4 février 2016. Et la dernière fois on avait réagi à la vidéo du top 20 des choses inutiles dans Minecraft, 8 ans après, pour voir si cela était toujours le cas. Et donc aujourd'hui on va réagir au top 10 des minerais les plus rares dans Minecraft que j'avais fait à l'époque. Et voir si ça a changé depuis. Bon, spoiler alert, ça a forcément changé parce qu'il y a eu la netherite. Déjà rien que ça change tout. Donc commençons, on va également mettre la vidéo en x2. Aujourd'hui on va parler de minerais. Voilà, avec l'image des minerais. Le charcoal ne rentrera pas dans le top 10 parce que c'est un minerai fabriqué avec quoi? J'ai pas eu le temps de lire. Par le joueur. Techniquement, c'est vrai. Donc oui, en vrai, c'est vrai. Pas besoin de le dire. Donc, ah, je disais déjà de s'abonner à l'époque. Donc numéro 10, il y avait quoi? Le charbon. Le minerai le moins rare, en vrai. Oui. En vrai, le charbon, c'est le minerai le moins rare. Ensuite, je dirais que ça serait le copper. Copper qui d'ailleurs également n'existait pas à l'époque. Donc numéro 9, ensuite il y avait quoi? Le quartz. Aujourd'hui je changerais ça. Et je mettrais le copper en 9e du coup. Enfin après le charbon. Le quartz, vu que après dans le nether également a changé entre temps. Il y a eu le rework à la 1.16. Donc je pense que le quartz partirait un peu plus dans la rareté. Parce que bah, vu qu'il y a eu de nouveaux biomes, le quartz ne spawn pas forcément plus partout, on peut dire. Également, il est moins visible avant, vu que le nether c'était exclusivement du rouge. Bah, du coup, voir du blanc, c'était assez facilement visible. Là maintenant, vu qu'il y a les biomes de forêt bleue et rouge, la Soul Sand Valley, le Basalt Delta, etc., etc., on peut ne pas voir du quartz. Donc, le quartz partira un peu plus en rouge, je dirais. La Glowstone, avec le pack de textures PDCraft apparemment. La Glowstone, est-ce qu'on peut considérer ça comme un minerai? Je pense pas. Je sais plus pourquoi j'avais mis ça dans le top. Donc, je sais pas. Je vous avoue, si vous avez une idée, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. L'Opsy. Alors l'Opsy IRL, c'est un minerai, je crois. D'où le fait que je l'avais mis aujourd'hui, quand en tout cas dans mes coffres, quand je fais une salle des coffres, etc. L'Opsy, je la branche souvent avec les minerais. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous considérez ça comme un minerai? Je pense pas. Donc l'Opsy à retirer du top aussi si je refais un top comme ça un jour. Le fer, enfin. Le fer, assez rare. D'ailleurs, quand je dis rare, c'est dans la génération, etc. Parce que oui, forcément, si on fait des usines, à part quelques exceptions, tout est farmable à l'infini. Donc voilà. Le fer, je dirais que oui, c'est plus rare aujourd'hui, un peu plus, avec la nouvelle génération, génération des minerais. C'est un peu moins présent. C'est beaucoup moins présent même dans les couches basses de Minecraft. Donc quand on veut partir par exemple miner du diams, le fer est beaucoup moins présent. Et donc si on en a besoin, il faut un peu plus remonter que ça, c'est un peu chiant. La redstone, un peu plus rare que le fer. Ouais, en vrai oui. Même s'il y a d'autres moyens de le farmer, là on parle juste du minerai pur. Le lapis, j'imagine, effectivement. Bon, ça, je suis d'accord. Numéro 3, l'or. L'or, je le baisserai dans le top et je le mettrai, je pense, peut-être entre la redstone et le lapis. Pourquoi vous me direz? Parce qu'il y a eu la 1.16 et l'or qui peut spawn dans le nether également. Et donc, l'or est beaucoup plus farmable en tant que minerai. Et c'est également trouvable dans les bastions, etc. Donc, en vrai, l'or est moins rare depuis la 1.16 et donc baisserait dans le top selon moi. Numéro 2, il y avait le diamant, je pense. Effectivement, le diams qui du coup n'a pas bougé, je pense, en termes de possibilités. Je pense que le diamant serait top 3. Si bon, là il va y avoir l'émeraude sans surprise, vu que c'est disponible que à travers les alors d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai une pub sur ma propre chaîne. Alors que la vidéo n'a aucun problème de droit. Et la monétisation n'est même pas activée sur ma chaîne. Donc je vous avoue que je ne sais pas.
Mais sinon, oui, l'émeraude, personnellement, je le mettrais en deuxième position, parce qu'entre-temps, il y a eu le rework de la génération des minerais, donc l'émeraude est un peu plus trouvable, selon moi, dans les biomontagnes, etc. En plus de pouvoir en trouver via des raids, via les PNJ qui ont également changé, donc c'est un peu plus farmable facilement, jusqu'à ce qu'ils changent le fait qu'on peut plus zombifier des zombifiés à l'infini, donc profitez-en. Je crois que c'est pas encore le cas ou c'est déjà le cas, j'avoue que je sais plus. Entre les différentes snapshots qui sont mélangées de différentes versions, j'avoue que personnellement je m'y perds un peu. Mais sinon, oui, l'émeraude serait top 2 et numéro 1, forcément, la netherite qui est aujourd'hui le minerai le plus rare de Minecraft. Le copper qui partirait dans les alentours du charbon, je dirais, parce que c'est trouvable en très grande quantité. Surtout en plus avec la prochaine mise à jour avec les Trial Chambers, avec tout le qui est constitué d'énormément de copper, ça sera beaucoup moins rare. Et également en termes d'autres minerais, bah, je crois que c'est tout. L'améthyste, qu'on peut peut-être considérer ça comme un minerai. L'améthyste, personnellement, je mettrais ça peut-être en quatrième position, parce que j'avoue que niveau géode, quand je commence une survie ou quoi, j'ai toujours du mal à en trouver. Et c'est que quand j'en cherche pas que j'en trouve une. Personnellement, je mettrais ouais, l'améthyste dans le top 4-5, dans ces environs-là. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo réaction 8 ans après à cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un commentaire sur vous. Votre top est bien des minerais les plus rares dans Minecraft. Est-ce que à l'époque vous pensiez que j'avais bon, enfin j'avais raison. Est-ce que vous pensez qu'avec ce que j'ai dit maintenant j'ai raison. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve donc j'espère à la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est B15 5 et je vous dis enjoy.